Salut, aujourd'hui je voudrais te poser une petite question. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu t'écoutais trop ou au contraire que tu ne t'écoutais pas assez? Si c'est le cas, tu as sûrement remarqué que dans les deux cas, c'était quelque chose de négatif. Mais du coup, on peut se demander, c'est quoi la bonne chose à faire? C'est quoi l'équilibre, le juste milieu entre ces deux extrêmes, entre trop s'écouter et ne pas assez s'écouter? C'est dans quel moment on peut s'écouter, dans quel moment il ne faut pas s'écouter? Et en fait, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. Je pense qu'il n'y a pas de cet équilibre miraculeux dans lequel on aurait un équilibre parfait. Je pense qu'il est impossible à trouver tout simplement parce que ça dépend de tellement de paramètres. En fait, d'un côté, on a nos besoins personnels en tant qu'être vivant, en tant qu'humain, avec sa santé, ses limites, etc. Et de l'autre, on a les attentes de la société. En fait, trop s'écouter ou ne pas assez s'écouter, c'est trouver l'équilibre entre ce dont notre corps a besoin et ce que la société attend de nous. Parce que la société, ce qu'elle attend de nous, c'est qu'on soit disponible, qu'on soit productif, qu'on soit invulnérable, infaillible, moins malade possible, etc. Et c'est pas du tout compatible avec ce qu'est un être vivant, un être humain qui a ses moments de fatigue, ses moments où il est en pleine forme, ses moments de déprime, ses moments où ça va bien, ses moments où il est malade et ses moments où il est en bonne santé, etc. En fait, il y a tellement de facteurs qui peuvent faire qu'on ne correspond pas à ce modèle idéal de la société, que du coup, en fait, cet équilibre entre trop s'écouter et ne pas assez s'écouter, il est absurde, il n'existe pas. Mais alors du coup, on pourrait se dire, qu'est-ce que ça veut dire s'écouter, finalement? Si on peut s'écouter trop ou s'écouter pas assez, faudrait déjà comprendre ce que ça veut dire. Je pense que s'écouter, c'est tout simplement ce qu'on fait à l'état naturel, c'est-à-dire ce qu'un animal fait spontanément, c'est-à-dire écouter ses besoins primaires, faire les choses telles qu'elles lui viennent, et tout simplement vivre à travers son corps. A l'inverse, ne pas s'écouter, c'est essayer de dompter son corps, ses sensations physiques, avec son mental. Mais c'est pas juste le rapport au corps, parce qu'on peut ignorer ses sensations physiques, on peut ignorer sa douleur, on peut ignorer sa fatigue, mais on peut aussi ignorer sa souffrance psychique, on peut ignorer son stress, on peut ignorer ses coups de blues, on peut ignorer sa détresse, et c'est exactement la même chose finalement. Dans tous les cas, c'est une violence faite au corps, à l'esprit, ou tout simplement aux deux, vu que les deux sont extrêmement reliés. Et je pense que c'est une violence qui peut vraiment avoir des grosses conséquences sur la santé. Je pense que quelqu'un qui ne s'écoute pas assez et qui a tendance à encaisser beaucoup de choses va être plus susceptible de développer des maladies chroniques, des maladies graves, tout simplement parce qu'en fait, ce qu'on garde en nous, on le fait pas disparaître. On n'efface pas les choses comme ça, c'est pas si simple. Il suffit pas d'ignorer quelque chose pour le faire disparaître. Donc, si ignorer ses souffrances, qu'elles soient physiques ou mentales, c'est mettre la poussière sous le tapis, bah ça va forcément quelque part, ça va forcément avoir un impact, et pour moi cet impact, et bah ça va être justement de se ruiner la santé physique ou la santé mentale sur le long terme. En fait pour moi c'est une question d'habitude. On peut prendre l'habitude de s'écouter ou de ne pas s'écouter. C'est-à-dire que si tu transmets à ton esprit et à ton corps le fait que la fatigue on l'ignore, la souffrance on l'ignore, les symptômes quand on est un petit peu malade mais pas trop, on les ignore, bah ce que ton corps et ton esprit vont retenir au long terme, c'est que il faut rien écouter, il faut tout ignorer. Et du coup, le jour où tu vas être malade, bah déjà tu vas pas te rendre compte tout de suite des symptômes, il va falloir que tu sois vraiment très affecté par la maladie pour commencer à te rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pas, parce que t'as pris l'habitude de ne pas t'écouter, de ne pas te rendre compte que ton corps te transmettait des alertes. Et d'autre part, bah t'auras tellement encaissé toute ta vie, t'auras tellement pris sur ton dos, sur tes épaules, que du coup, bah toutes ces souffrances encaissées, bah le jour où t'auras une faiblesse, elles vont te retomber dessus, puissance 2000. C'est exactement le même fonctionnement pour moi que le burn-out. Si tu encaisses trop, si tu te fatigues trop sur du long terme, c'est au moment où tu vas te poser que d'un seul coup, tout l'épuisement va te retomber dessus sous la forme d'une dépression, ou bien dans ce cas-là aussi d'une maladie physique. Donc pour moi, ne pas s'écouter, ça veut simplement dire se conformer aux attentes de la société, aux attentes des autres, aux attentes qu'on peut avoir d'un citoyen, mais pas d'un être vivant, pas d'un humain. Et c'est encore plus le cas, je pense, pour les personnes qui sont hypersensibles, parce que les hypersensibles sont plus sujets à la fatigue chronique, sont plus sensibles aux douleurs, sont plus sensibles aux émotions, au stress, à toutes les choses en fait contre lesquelles la société voudrait qu'on soit blindé, immunisé, qu'on soit capable d'ignorer royalement et de garder uniquement pour le cercle privé, c'est-à-dire encaisser la journée quand on est au travail et puis le soir tu te débrouilles pour canaliser toutes ces choses que tu as ignorées toute la journée, que ce soit de la fatigue physique ou bien un rhume ou bien un problème familial ou bien quoi que ce soit. En fait la société ne nous autorise pas à être vulnérable. La vulnérabilité c'est quelque chose qui est négatif. On nous apprend d'être tout petit à être blindé, que pleurer c'est mal, que tu peux pleurer un peu si ça va pas, si t'as une raison, mais que t'as pas le droit de pleurer si t'as pas de raison. Et que même si t'as une raison,
Bon, au bout d'un moment, il faut que tu arrêtes quand même parce que ça va bien 5 minutes, mais la vie continue. Et de la même manière, quand t'es fatigué par exemple, si t'es malade et que t'as un truc un peu grave, ok, c'est bon, repose-toi, va voir le médecin, ça ira mieux, on t'attend quand ça ira mieux. Mais par contre, si t'es juste fatigué sans raison, ou du moins sans raison apparente, parce que y a plein de raisons et il n'y a pas juste les maladies graves qu'il faut qu'on est fatigué. On peut être fatigué à cause de ses hormones, on peut être fatigué à cause du stress, on peut être fatigué parce qu'on s'est un petit peu surmené les jours précédents, on peut être fatigué tout simplement parce qu'on n'a pas le moral et que du coup ça nous affecte physiquement, etc. Il y a plein de choses qui font qu'on peut être fatigué. Mais si t'es trop fatigué pour faire quelque chose que les autres attendent de toi et que t'as pas une vraie bonne raison pour être fatigué, bah on va dire que c'est de la fainéantise. Et ça c'est hyper violent parce que tout le monde n'est pas égal face à la fatigue physique, tout le monde n'est pas égal face au stress, face aux douleurs, on n'a pas tous la même perception de la douleur. Et c'est violent de vouloir qu'on soit tous pareils, de vouloir qu'on soit tous aussi forts les uns que les autres, et surtout c'est hyper culpabilisant pour les personnes qui ont un problème. Et franchement, je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression qu'on vit dans une société où énormément de monde a un problème avec la fatigue. Et il y a la fatigue à cause justement de cette société qui est beaucoup trop pesante sur nos épaules, mais surtout en fait il y a plein de choses qui peuvent faire que les personnes sont épuisées. Je vous parle souvent d'hypersensibilité comme facteur de fatigue chronique, mais il y a tellement d'autres choses. Franchement, quand on parle de fatigue chronique, tout le monde y va avec sa théorie. Il y a tellement de maladies chroniques qui peuvent créer de la fatigue et qui sont mais de plus en plus reconnues, qui sont de plus en plus courantes. En fait, toutes les maladies de la Terre, j'ai l'impression, le premier symptôme, c'est la fatigue. Donc ça peut être la maladie de Lyme, ça peut être une maladie au niveau rhumatologique, ça peut être une maladie neurologique, ça peut être une maladie psy, ça peut être même... Il y a même des maladies dont le seul symptôme, c'est la fatigue chronique et qu'on ne comprend pas aujourd'hui médicalement, qui sont encore des mystères. Mais franchement, si tu mets ça avec les personnes qui sont autistes, les personnes qui sont hypersensibles, surdouées, etc., enfin, c'est plein de choses, plein de facteurs qui font qu'en fait, il y a plein de personnes qui sont plus vulnérables à la fatigue que les autres. Et il y en a tellement qu'en fait, on en vient même à se demander, mais c'est qui les autres? C'est qui ces guerriers qui sont capables de foncer tête baissée et de jamais fléchir, etc. Bah, en fait, pour moi, c'est pas qu'il y a les faibles d'un côté et les forts de l'autre. Je pense simplement qu'il y a des gens qui s'écoutent et des gens qui s'écoutent pas. Et que les gens qui s'écoutent pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, bah c'est des gens qui certes pour l'instant ils arrivent à encaisser, mais que le jour où ils arriveront à leur point de rupture, parce qu'ils ont tout le monde en a un, ça risque d'être encore plus violent, parce que ça fera un effet cocotte minute. Du coup c'est une vidéo qui parlera sûrement plus aux hypersensibles qu'aux personnes non hypersensibles, mais je pense qu'il y a quand même une limite un peu aux cases qu'on peut mettre, parce que comme je l'ai dit, il n'y a pas que l'hypersensibilité qui crée une hypersensibilité à la fatigue, etc. Il y a plein de choses qui peuvent nous rendre plus vulnérables. Et puis surtout, il n'y a pas des personnes hypersensibles et des personnes qui sont pas hypersensibles. L'hypersensibilité, enfin la sensibilité, c'est un spectre. Et il y a des gens qui sont peu sensibles, des gens qui sont un peu sensibles, très sensibles, hypersensibles. Mais sur ce spectre, il y a plein de nuances. Et il y en a plein qui peuvent se reconnaître dans certaines choses que je dirais sur les hypersensibles et d'autres non. Mais je pense vraiment que la question de l'écoute de soi-même, c'est quelque chose qui est universel et que on peut se faire violence, il y a des personnes qui vont y arriver mieux que d'autres, c'est la seule différence entre les individus, mais que cette capacité à se faire violence, déjà je saurais pas dire si elle est innée ou acquise, mais je pense que c'est un peu des deux. Je pense que déjà quand on est en très bonne condition physique et qu'on n'a pas une pathologie ou une différence, une aura atypique qui fait qu'on a de la fatigue chronique, ça aide, mais c'est quand même acquis dans la mesure où on peut avoir une éducation qui nous apprend à ignorer la douleur. On peut avoir des parents pour qui avoir mal et se plaindre, c'est la pire chose de la terre, et qui vous a appris d'être tout petit à ne pas vous écouter. Et du coup, est-ce que ça veut dire que vous êtes plus fort, ou est-ce que ça veut dire que vous n'êtes plus du tout à l'écoute de votre corps et que vous en êtes complètement déconnecté? Bah, à mon avis, ça veut plutôt dire ça. Même s'il y a peut-être un rapport un peu inné, en tout cas je pense que toute la partie acquise de la non-écoute de soi, elle est très néfaste pour le corps, pour l'esprit, et elle doit avoir plein de conséquences, je pense, au moyen et au long terme. Globalement, quand on regarde dans nos sociétés contemporaines, en Occident, etc., on a vraiment le sentiment que les gens sont malheureux, les gens sont tristes, les gens ne sont pas heureux. Et pourtant, quand on regarde dans la façade, les gens, quand tu leur dis ça va, ils te répondent toujours oui, parce que personne fait attention au sens de cette réponse, personne veut vraiment savoir comment les gens vont. Et peut-être que justement, c'est parce que tout le monde sait que d'un côté tout le monde va mal, que y a très peu de gens qui peuvent
dire je suis véritablement heureux. Tout simplement parce que, en fait, le bonheur, c'est pas quelque chose qu'on a un jour, un beau jour, on se réveille, on est heureux, et puis ça dure pour toute la vie. Déjà, le bonheur, ça fluctue. Il y a des hauts et des bas, et j'ai tendance à penser que la vie telle qu'elle est dans la société, eh ben, elle a plus tendance à nous rendre malheureux que heureux. Donc du coup, le bonheur, bah, il faut plus le chercher que le malheur, tu vois. Genre, le malheur, il va plus facilement se présenter, parce que de toute façon, bah, on n'a pas énormément de temps pour cultiver son bonheur, parce que quand on se lève à 7h du mat, qu'on fait 45 minutes de transport, et puis qu'on arrive au boulot, et puis qu'on travaille 7h avec une heure de pause le midi, et qu'on se retape les transports, et qu'ensuite faut faire les courses, et qu'il faut nourrir sa famille, et qu'il faut se laver, et qu'il faut... À quel moment, en fait, tu prends du temps pour cultiver ton bonheur, pour être heureux? Bah, pas énorme, tu vois. Donc du coup, forcément que dans un rythme de vie pareil, bah, on a plutôt intérêt en fait à ne pas savoir s'écouter et à savoir ignorer les signaux de notre corps. Et personnellement, j'ai jamais réussi et j'ai toujours eu l'impression d'être faible, j'ai toujours eu l'impression d'être une feignante, d'être nulle, et ça m'a énormément culpabilisée toute ma vie, c'est terrible. Mais en même temps, aujourd'hui, je me dis que j'ai peut-être plus de facilité que les autres du coup à m'écouter, à savoir quand quelque chose ne va pas. Et justement, bah, il y a une fois où j'avais vu un thérapeute qui s'appelle une kinésiologue. D'ailleurs, j'aimerais bien en revoir un prochainement. On m'a conseillé un sur Paris, donc je pense que je vais reprendre rendez-vous. Il me semble que j'ai déjà mentionné dans une vidéo, mais je sais plus laquelle. Mais du coup, elle m'avait dit que je m'écoutais tellement bien que finalement, il n'y avait presque pas besoin de voir une kinésiologue. Puisque le rôle de ce thérapeute, c'est justement un peu de retranscrire en mots ce que le corps essaie de nous dire. Donc finalement, la kinésiologie, c'est vraiment la thérapie parfaite pour les personnes qui encaissent trop, pour les personnes qui ne savent plus s'écouter. Et dans mon cas, bah, elle m'a dit, mais tu comprends très bien ton corps en fait, tu sais très bien ce qu'il a à te dire, et bah, continue comme ça. Et je pense qu'effectivement c'est super important d'apprendre à s'écouter. Mais alors comment on fait? Comment on fait quand on n'a jamais fait ça, quand on nous a toujours dit que se sentir fatigué ou avoir mal quelque part c'était pas bien? Bah, je pense que ça commence par des petites choses. Par exemple, ça commence par se dire, c'est quoi mon horloge biologique? Est-ce que je suis plutôt du matin ou plutôt du soir? Évidemment, ça, pareil, genre, qu'on soit du soir ou du matin, on s'en fout. Il faut que tu te lèves à telle heure pour aller en cours depuis que t'es tout petit, que tu te couches à telle heure, que tu sois une personne du matin ou du soir. C'est pas quelque chose qui rentre en compte dans tes obligations de vie quand t'es jeune. Quand t'es jeune, t'es vraiment, tout le monde a le même rythme, tout le monde a la même charge, et on s'en fiche des spécificités des uns et des autres. On t'apprend que tu dois être rentré dans le moule, et c'est tout. Et du coup, je pense que la première chose à se demander, c'est qu'est-ce que c'est que mon rythme biologique naturel? Est-ce que je suis plutôt couche tôt, couche tard? Et combien d'heures j'ai besoin de dormir pour me sentir bien? Est-ce que quand je dors 10 heures pour récupérer, ça me fait du bien ou je me sens fatiguée? Et est-ce que quand je dors que 6 heures, je me sens en forme ou pas? Essayez simplement de savoir c'est quoi notre rythme de sommeil. Je pense que c'est la première étape nécessaire, parce que c'est le premier truc qu'on violente depuis tout petit. Ensuite, je dirais, c'est apprendre à manger en pleine conscience. Genre vraiment... ne plus manger à telle heure parce que c'est bien et tel aliment parce que telle médecine nous le recommande, mais se dire de quoi j'ai envie et est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que c'est une envie psychologique, et essayer d'interroger son rapport entre l'émotionnel et la nourriture. Commencez par vraiment tout ce qui est besoin primaire, parce que c'est la chose que, quand on regarde les animaux, la première chose, enfin tout ce qui constitue leurs instincts, c'est manger, dormir, faire leurs besoins, etc. C'est les choses les plus naturelles, et c'est les choses que même nous, bah ça, on n'y arrive plus, quoi. Je veux dire, rien que le fait même, enfin, faire ses besoins, je veux dire, pour un animal, il a envie, bah il fait. Mais comme chez l'humain, bah socialement, il faut pouvoir aller aux toilettes, etc. Même ça, il y a des personnes qui ont des troubles intestinaux, tout simplement parce que ils se retiennent trop d'aller aux toilettes, parce que c'est pas le moment, parce qu'ils sont au boulot, parce qu'ils ont des trucs à faire, parce qu'ils sont pas chez eux. Je veux dire, même ce besoin primaire-là, on a appris un peu à le contrôler, à le formater par rapport à nos besoins sociaux, en fait. Donc, il faut déconstruire tout ça et essayer d'être à l'écoute de son corps, faire même un carnet de santé personnalisé, c'est-à-dire noter toutes les informations qu'on remarque. Par exemple, tiens, quand je me lève à cette heure-là, je me sens plus en forme, ou tiens, quand je dors trop, je suis fatiguée, et trop, c'est combien de temps? Et tiens, j'ai remarqué que quand je me couchais tôt, des fois, bah, ça allait, etc. Et aussi, même par rapport à son rythme intestinal, à son rythme de digestion, genre, est-ce que vous vous êtes déjà demandé si vous avez une digestion plutôt rapide ou plutôt lente, etc. Genre, prendre juste le temps de s'écouter, d'écouter son corps, d'écouter ses signaux, ses demandes, ses besoins les plus primaires et les plus fondamentaux, pour moi, c'est la première étape pour apprendre à s'écouter soi-même. Et une fois qu'on a appris petit à petit à écouter ses besoins, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau du système digestif, au niveau du sommeil, ça va être de se demander
qu'est-ce qu'on a envie de faire comme sport? Parce qu'on dit toujours, ouais, faut faire de l'activité physique. Donc spontanément, bah, on va souvent courir ou bien faire de la musculation parce que bah, c'est ça qui fait le plus sport. Quand on pense à du sport, on pense à ça. Et bah, se demander, tiens, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Est-ce que moi, mon sport, ce serait pas plutôt faire du trampoline ou bien, je sais pas, faire de la plongée, faire de l'escalade, enfin, un truc peut-être un peu moins court ou même du ping-pong, enfin, peu importe. Mais juste, pourquoi le sport, ça devrait être quelque chose de difficile et qui nous plaît pas? Je dis pas que la musculation et la course à pied, c'est pas des sports agréables, mais c'est juste que ça correspond pas à tout le monde. Et il y a plein de gens qui font pas de sport parce que bah, ils s'ennuient quand ils vont à la salle ou quand ils courent. Mais dans ce cas-là, essayez de trouver un sport qui vous plaît, même si, certes, il va pas vous faire les muscles, les jambes galbées dont vous rêvez, ou bien les biceps parfaits qu'on voit partout dans les magazines, etc. Mais tout simplement un sport qui vous fait plaisir, parce que le principal c'est juste de bouger et de sortir un peu de cette vie trop sédentaire. Franchement, s'il y a une chose que je recommande absolument à tout le monde, c'est le yoga. Alors je sais que le yoga c'est vraiment une mode, que tout le monde en parle, que tout le monde en fait, et étrangement c'est quand même beaucoup plus féminin, mais je pense que ça a un lien justement entre l'écoute de soi et la pratique du yoga, parce qu'en fait le yoga ça apprend à écouter son corps. Le yoga vraiment, on commence toujours par faire un scan corporel. On commence toujours par dénouer les tensions, par faire une méditation sur le corps et à comprendre où est-ce qu'on est tendu, où est-ce qu'on a besoin de se détendre, etc. Et on finit généralement aussi par une relaxation avec un scan corporel. Et du coup, pendant la séance, en fait, on va être focalisé sur son souffle, parce que oui, j'ai parlé des besoins vitaux, mais j'ai oublié le plus important, la respiration. Je veux dire, même respirer, on ne sait plus le faire. Personne ne sait respirer, ça s'apprend, même ça, on doit l'apprendre. Parce qu'on est stressé, parce qu'on encaisse trop de choses justement, parce qu'on a trop de choses qui pèsent sur notre poitrine pour savoir respirer pleinement en fait. On est tellement pressé qu'on ne prend jamais le temps d'inspirer tout simplement à plein poumon. Et le yoga justement, ça apprend aussi à se reconnecter à sa respiration, mais aussi à se dire, tiens, j'ai mal là, tiens, j'ai un nœud ici. Et j'étais avec une amie il n'y a pas longtemps et elle a fait une petite séance de yoga alors qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. Et elle m'a dit, waouh, il faut vraiment que je reprenne le yoga parce que là, en faisant des étirements, je me suis rendu compte que j'avais un nœud à cet endroit-là. Et j'ai l'impression que c'est vraiment depuis que j'ai commencé tel job, etc. Parce que en fait, le yoga, ça va tellement chercher dans des postures, des axes, des torsions qu'on ne fait pas spontanément qu'en fait, on va réussir à se rendre compte où est-ce qu'on a des nœuds, où est-ce qu'on a des blocages physiques. Et c'est ça qui est génial dans le yoga, c'est qu'en fait c'est vraiment le lien entre, ça ouvre une porte en fait entre le corps et l'esprit. Ça t'apprend à t'écouter, ça t'apprend à respirer, ça t'apprend à observer ton corps et aussi ton esprit, parce que les deux vont ensemble dans le yoga. Je parle même pas pour l'instant de la pratique spirituelle et philosophique parce que ça mériterait une vidéo à part entière, mais du coup sur tous les conseils que je peux vous donner, franchement pour moi le yoga c'est ce qui apprend à s'écouter. Et donc ce que je voulais dire par rapport au filles et aux garçons, comme on vit dans un monde qui est très très binaire, et un monde où justement ceux qui ont le moins l'opportunité d'apprendre à s'écouter, c'est les garçons. La preuve par exemple sur le fait de pleurer, une fille c'est plus acceptable qu'elle pleure qu'un garçon. Donc rien que ça, on apprend plus aux hommes d'être tout petits à ne pas s'écouter, à être des durs en fait, à être des brutes avec eux-mêmes. Et je suis persuadée qu'il y a un rapport entre le fait que le yoga apprenne l'écoute de soi et le fait qu'il y ait plus de filles dans les cours de yoga que de mecs. Et je pense que le jour où le yoga sera aussi populaire chez les hommes que chez les femmes, on aura fait vraiment un grand pas dans cette espèce de coupure entre les genres sur le fait que l'homme doit être fort et la femme a le droit d'être plus vulnérable, parce qu'en fait, comme je l'ai dit, ne pas s'écouter c'est mauvais. Et c'est pas parce qu'on est un homme que c'est moins mauvais en fait, là-dessus on est égaux, mais à 100% j'en suis persuadée. Pour moi le yoga c'est vraiment une réponse à ce problème. Donc je sais pas si vous voyez vraiment le yoga sous cet angle de vue, mais si je devais vraiment résumer en une seule phrase le principal bienfait du yoga pour moi, ce serait celui de créer un pont entre le corps et l'esprit, tout simplement. Donc je conclurai cette vidéo là-dessus parce que pour moi c'est juste le meilleur conseil que je pourrais vous donner par rapport à cette problématique. Mais en tout cas j'espère que ça vous a intéressé. C'est un sujet vraiment énorme et je sais que cette vidéo pourrait durer une heure et demie si je le voulais. Mais n'hésitez pas tout de même à partager si vous avez envie d'ajouter des choses en commentaire. Mais sachez que c'est un sujet dont je reparlerai très très certainement un jour ou l'autre sur ma chaîne. Et je suis sûre que même d'ici 15 minutes j'aurai déjà 1000 idées de choses que j'aurais pu ajouter et que j'ai oubliées. Mais j'espère que ça vous a intéressé. En tout cas je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo.